Alors, sans plus attendre, veuillez accueillir chaleureusement votre conférencier, Alexandre Gagnon. Mesdames, Messieurs, collègues et partenaires, distingués invités de la table d'honneur, Maître Bouchard, Vincent, d'autres collègues sont aussi dans la salle. Merci d'être présents aujourd'hui. On commence avec quelque chose de fantastique. Je vous invite à lire l'énoncé prospectif. Alors, pendant ce temps-là, je vais vous introduire la conférence d'aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de Petrolia, notre transaction sur Anticosti, et des opportunités, des défis pour nous, l'industrie pétrolière, Petrolia, mais aussi pour le gouvernement du Québec. Petrolia est une compagnie d'exploration. Nous possédons des intérêts sur un territoire de plus de 16 000 km² dans l'est du Québec, en Gaspésie et sur l'île d'Anticosti via le nouveau consortium qui a été créé. Petrolia a commencé ses activités en 2002 et nous sommes entrés en bourse sur le TSX Venture en 2005. Notre capitalisation boursière tourne autour de 50 millions de dollars, bien en deçà, selon nous, de la valeur réelle de nos projets. Pour notre propriété d'Haldimand à Gaspé, que vous avez à l'écran, nous sommes associés avec Keb Énergie, une filiale privée des frères Bouygues en France, et pour d'autres permis que nous venons d'acquérir l'été dernier, nous sommes associés avec Morel & Prom, une compagnie pétrolière française qui est aussi dans le nouveau consortium qui a été annoncé. Comme bien de nos collègues dans le domaine des ressources naturelles, et j'avais la chance de rencontrer quelqu'un ce midi qui est chez MinAlliance, ce qui nous anime, ce sont nos projets et les perspectives d'avenir. D'ailleurs, la transaction que nous avons annoncée le 13 février dernier et clôturée à la fin mars donnera, selon nous, l'élan nécessaire au démarrage de l'industrie pétrolière au Québec. D'ailleurs, je vais en profiter pour déboulonner le mythe de la grosse compagnie pétrolière. Nous sommes une PME québécoise. Nous sommes sans revenus depuis notre création en 2002 et malgré cela, nous avons investi pour valoriser le territoire québécois 45 millions de dollars en exploration au cours des 10 dernières années. Nous comptons une vingtaine d'employés de grands talents et de renom qui travaillent à nos bureaux de Québec, Montréal et aussi sur l'île d'Anticosti à Port-Meunier. Ce sont surtout ces employés qui ont façonné le succès de Petrolia. Récemment, nous avons eu la chance de pouvoir recruter M. Gilda Collin, qui s'est joint à nous comme chef des opérations, qui compte plus de 20 années d'expérience directe dans le secteur pour, entre autres, Total et Perenco, avec de l'expérience notamment en fracturation. Notre chef géologue, Bernard Granger, est l'ancien chef géologue de la SOQUIP et d'Hydro-Québec, et il a participé à la découverte du gisement White Rose à Terre-Neuve. En décembre 2013, on peut aussi compter sur Carl McLennan, qui depuis décembre 2013 est aussi président du conseil d'administration du groupe Bernière. Et je veux en profiter pour donner un salut tout particulier et un merci à Jean-François Bello, qui est présent dans la salle, comme directeur des affaires publiques et gouvernementales. Alors, c'est celui qui est sur la pression en ce moment. Donc, Jean-François, merci d'être là tous les jours pour nous. Pour le conseil d'administration, notre conseil est constitué de personnes avec beaucoup de talent et de compétences, notamment Myron Tétreau, qui est notre président du conseil, qui est aussi administrateur en chef de Phoenix Technologies. Pour ceux qui connaissent moins Phoenix, Phoenix est une compagnie en forage directionnel basée à Calgary, qui compte plus de 1000 employés et présent dans plus de 17 pays à travers le monde. Nous sommes donc très fiers de notre équipe, de notre conseil d'administration et de nos projets. Les 45 millions de dollars investis en exploration durant les dernières années nous ont permis de forer 10 puits qui ont mené à des découvertes importantes dans à peu près tous les cas. Grâce à ce succès, nous avons trois projets importants que nous poursuivons actuellement, Anticosti, Haldimand et Bourque. Le pétrole au Québec est somme toute une vieille histoire. C'est en 1844 que la Commission géologique du Canada s'est intéressée au pétrole. Petite anecdote. Comment le chef de la Commission géologique du Canada s'est intéressé à cette histoire-là, c'est qu'il avait vu sur des ours des traces noires dont les ours se servaient pour éloigner les mouches. C'est donc dire qu'il faut parfois observer la nature pour savoir ce qui se passe, et les premiers puits ont par conséquent été forés en 1860 en Gaspésie. La photo à l'écran présente le puits de Gaspé numéro 1 qui a été foré par la Continental Petroleum dans les Chic-Chocs, près de la région de Murdochville. La recherche de pétrole au Québec n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est la méconnaissance de cette industrie. Bien sûr, les équipements sont plus modernes aujourd'hui qu'à cette époque.
Alors, Petrolia s'inscrit dans cette continuité historique, fort des enseignements du passé, pour la poursuite de ses activités, et notamment la raison pour laquelle Petrolia s'est intéressé à la région de Haldeman, près de Gaspé, pour ses deux premiers puits qui ont été forés en 2006. Sur la foi des données des deux forages réalisés à Haldeman, les ressources initialement en place ont été estimées à près de 70 millions de barils par la firme Sproul de Calgary. Cette firme a aussi établi que la quantité de pétrole potentiellement récupérable est de 7,7 millions de barils. Ce projet à lui seul représente près de 800 millions en revenus et de bons emplois pour la région. Ce projet à lui seul pourrait générer, sur sa durée de vie, au chapitre des redevances, 200 millions de dollars pour le gouvernement du Québec, selon le cadre actuel. Une de nos priorités est justement la mise en production de ce gisement pour, entre autres, apporter de l'argent à la compagnie et cesser d'avoir recours au financement externe. Haldeman est le projet de Petrolia qui est le plus près de la mise en production et l'un des seuls au Québec qui peut être considéré comme un gisement selon la classification des ressources en place. Avant cette éventuelle mise en production, il reste une étape clé à franchir et c'est celle du forage d'Haldeman numéro 4 et c'est justement la raison pour laquelle une foreuse est présente sur place à Gaspé en ce moment. Cette mise en production pourrait permettre à la région de Gaspé de développer tout le créneau des services à l'exploration et à l'exploitation pétrolière et servir potentiellement de port d'attache pour les activités d'Anticosti. Pour ce projet, nous attendons actuellement le dépôt des résultats de l'étude hydrogéologique commandée par le gouvernement du Québec, dont les résultats, nous le souhaitons, rassureront suffisamment la ville de Gaspé pour que celle-ci retire ses procédures juridiques. À titre d'exemple, l'an dernier en Alberta seulement, il s'est foré 11 000 puits et 45 000 aux États-Unis. Le forage d'Haldeman numéro 4 aurait fait à date couler beaucoup plus d'encre que de pétrole au Québec. En fin de compte, ce projet, c'est un forage horizontal à Gaspé. Il s'agit d'un forage conventionnel sur du pétrole conventionnel avec un équipement conventionnel et sans fracturation hydraulique. Sur les 11 000 puits forés en Alberta l'an dernier, 80 % étaient à l'horizontale. Toujours en Gaspésie, en 2012, nous avons aussi procédé à des travaux sur notre propriété de Bourque, qui est localisée à 30 km à l'est de Murdochville. Ces travaux ont conduit à une découverte d'une grande importance. En avril 2013, après l'analyse des résultats de forage de 2012, Sproul a estimé à plus de 1 milliards de pieds cubes, soit 1 TCF, le volume de gaz humide initialement en place dans quatre zones. Le gaz humide, en fait, c'est seulement pour vous dire qu'il y a du gaz qui va du gaz sec jusqu'au pétrole en passant par toutes les autres étapes que sont l'éthane, le butane et le propane, notamment, que nous utilisons tous pour le barbecue ces temps-ci. Cette découverte potentielle ajoute de l'intérêt aux autres permis de pétrolier en Gaspésie, où des conditions géologiques semblables existent. La prochaine étape pour la propriété de Bourque consiste à procéder à des tests de production. Pour financer ces travaux, nous évaluons deux options, soit trouver un partenaire financier ou encore trouver un client potentiel pour utiliser le gaz qui sera produit sur Bourque et par le fin, le même coût, réduire l'émission de GES de d'autres industries présentes dans le secteur. Je rappelle que le forage de Bourque dans la région de Murdochville a généré près de 1,2 million de dollars en retombées directes pour la région. Sur un total d'investissement de 15 millions, ce n'est qu'à peine 10 %. Mais imaginons que l'industrie puisse prendre de l'élan, ce pourcentage pourrait monter à 50, voire 60 % comme c'est le cas ailleurs au Canada. L'arrivée en Gaspésie d'une industrie dont le salaire moyen est de 125 000 $ aurait aussi un effet majeur sur la création et la rétention des emplois et de la population. On pourrait aussi imaginer que l'industrie touristique serait la première industrie touchée de manière positive par une exploitation pétrolière, en permettant notamment de diminuer les coûts des billets d'avion. Pour ceux qui prennent l'avion jusqu'en Gaspésie de Montréal, c'est le même prix que d'aller à Cuba en ce moment. Donc, l'industrie pétrolière peut avoir plusieurs retombées intéressantes, notamment sur celle du tourisme. Mais nos projets ne se limitent pas à la Gaspésie. Nous œuvrons aussi sur la Côte-Nord. En effet, Anticosti est dans la région de la Côte-Nord et cette région mérite grandement qu'on s'y intéresse en ce moment. De grands projets sont présents sur la Côte-Nord et nous espérons qu'Anticosti en fera partie. Petrolia possède 21,7 % des parts d'un nouveau consortium créé pour le projet de l'île d'Anticosti. Mais avant de vous parler plus en détail de cette transaction, j'aimerais revenir un peu sur les données qui nous rendent si confiants dans ce projet. Nous connaissons bien la géologie de l'île, une île aussi grande que la distance entre Québec et Montréal et qui abrite une population de 200 habitants, principalement dans le village de Port-Meunier. Suite à l'analyse d'une carotte prélevée dans le puits de Chaloupe, forée en 2010, Sproul & Associates de Calgary a établi à 33,9 milliards de barils
les meilleurs estimés du volume total de pétrole initialement en place. Il y a 90 % des chances que ce volume atteigne au moins 19,8 milliards de barils et 10 % des chances que le volume soit égal ou supérieur à 48,2 milliards de barils, avec les connaissances actuelles. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons les données de 20 forages faits sur l'île. Ce sont les petits points noirs que vous avez. Plus de 850 km de lignes sismiques, un rapport des ingénieurs de Sproul, trois sondages stratigraphiques de confirmation en 2012 qui ont confirmé des paramètres comme la perméabilité, la porosité ou la maturité thermique, et l'analyse de plus de 900 échantillons de roches qui ont été faits par des experts aux États-Unis par des laboratoires indépendants comme Weatherford et TerraTech. Lorsque je dis que nous connaissons bien la géologie de l'île, je vais vous donner trois exemples. Sur celui-ci, vous avez la profondeur du Macasty. Le Macasty est cette formation, la roche mère, dont on espère produire éventuellement le pétrole. Le Macasty est enfoui de 600 mètres jusqu'à 1,8 km sur toute la surface de l'île et de manière uniforme. Elle suit une légère pente allant du nord vers le sud. Nous connaissons aussi très bien son épaisseur, qui va d'une trentaine de mètres jusqu'à plus de 120 mètres, soit trois fois les meilleurs gisements actuellement connus aux États-Unis. Et c'est aussi une île dont on connaît, à travers les sondages qui ont été faits, les forages qui ont été faits, les échantillons qui ont été pris, la maturité thermique de la roche, c'est-à-dire à quel degré de cuisson la roche a été enfouie sous terre pour produire des hydrocarbures. Et cette maturité thermique est probablement l'élément qui nous rend le plus confiant dans le potentiel de l'île, parce que comme vous le voyez à l'écran, vous avez ce corridor jaune entre 1,1 et 1,4, qui sont l'équivalent des meilleures zones produites actuellement dans des gisements semblables aux États-Unis, notamment celui de l'Ohio, de l'Utica. Donc, la combinaison des trois facteurs, la profondeur, l'épaisseur de la formation et sa maturité thermique, nous rendent confiants dans l'aventure qui est devant nous. Donc, ces données, combinées à notre volonté de développer le projet, nous ont amenés à considérer la participation du gouvernement comme essentielle afin de faire la démonstration que notre projet est important pour le Québec. La création du consortium n'est pas simplement une transaction financière. Nous avons cru, et ça depuis le début, en 2012, que la participation du gouvernement du Québec nous permettrait de trouver une voie de passage en élevant notre projet à un autre niveau. Nous avons travaillé d'arrache-pied afin que l'île d'Anticosti devienne le projet économique des prochaines années. C'est dans cette perspective que la transaction sur Anticosti a été conclue après de longues discussions avec le gouvernement et après une vérification diligente qui a impliqué plusieurs professionnels. Je rappelle que c'est un gouvernement libéral qui a commencé le processus en faisant un investissement dans Petrolia en 2012. À cette époque, Ressources Québec a acheté à peu près 10 % des actions de la société. Dans un esprit de continuité, après l'élection du Parti québécois, nous avons poursuivi les discussions avec le gouvernement. Afin d'assurer le succès de cette négociation, le gouvernement a mis en place un comité de 5 personnes, incluant un représentant du ministère des Finances, un expert de l'industrie, un représentant d'Unsenion, firme bien connue ici, un conseiller juridique de chez Fasken et un représentant de Ressources Québec. Ce comité a retenu les services de la firme d'ingénieurs Ryder Scott, un peu l'équivalent de Sproul, une des firmes les plus reconnues grâce à son expertise particulière dans les gisements non conventionnels. Le comité a passé plusieurs mois, et c'est sérieux, plusieurs, vous pourrez demander à différentes personnes dans la salle, à faire une vérification diligente, incluant une revue de toutes les données techniques et plusieurs sessions de travail avec les employés de Petrolia et de Corridor. Après analyse, le gouvernement a conclu, comme Petrolia et Corridor, que ce projet présentait beaucoup d'intérêt et que l'exploration pour démontrer notre capacité d'extraire le pétrole de façon rentable méritait d'être menée à terme. Ces travaux ne visent pas à trouver du pétrole. Nous savons que le pétrole est là. De plus, on sait que les aspects géologiques propices à l'exploitation, y inclus la perméabilité, la porosité, le contenu organique, sont extrêmement favorables, tout comme le gisement d'Utica en Ohio aux États-Unis. Donc, ce qui reste à déterminer, ce n'est pas si le pétrole est présent. Ce qui nous reste à savoir, c'est le taux de récupération. Et c'est le principal objectif du programme qui est devant nous pour les deux prochaines années. L'autre aspect important des négociations, c'était qu'il était essentiel pour nous et pour le gouvernement de trouver un partenaire privé pour investir dans ce programme, afin d'augmenter notamment l'expertise du groupe en entier. Après discussion, nous avons choisi Morel & Prom via sa filiale Saint-Aubin comme partenaire. Morel & Prom est la deuxième société pétrolière française en importance, avec une capitalisation boursière de 1,8 milliard d'euros et une production actuelle de 29 000 barils par jour.
Pour la structure de cette transaction, le gouvernement du Québec a opté pour un modèle hybride de développement de l'industrie, à mi-chemin entre le modèle norvégien et le modèle américain complètement privé. Plus précisément, c'est exactement le même modèle d'affaires qui a permis à l'Alberta de devenir ce qu'elle est. Il est intéressant de se rappeler la façon dont est née une partie de l'industrie dans l'ouest du Canada. En 1975, le gouvernement albertain prenait des parts pour 50 % dans la création de l'Alberta Energy Corporation, qui deviendra, en 2002, après une fusion avec la Pan-Canadian Energy, la société Encana. Le gouvernement de la Saskatchewan a fait la même chose avec la création de Saskoy, qui est devenue Wascana et qui est aujourd'hui Nexen. Ce partenariat prendra la forme d'une société en commandite, dans laquelle Petrolia et Corridor contribuent par la mise en commun de l'ensemble de leurs permis d'exploration pétrolière respectifs. Ressources Québec et Saint-Aubin se sont quant à eux engagés à financer des travaux d'exploration pour une somme pouvant atteindre 100 millions de dollars. Les partenaires ont confié à Petrolia la gestion de la coentreprise du partenariat ainsi que les opérations sur le terrain. Ressources Québec et établissement Morel et Prom, via Saint-Aubin, évalue la valeur des permis d'exploration à 100 millions de dollars et de ce fait, ils se sont engagés à financer des travaux d'exploration pouvant atteindre 100 millions de dollars répartis en deux phases d'investissement. Et en échange, ils ont tenu 50 % de la société en commandite. Ainsi, Ressources Québec s'est engagé à investir jusqu'à 56,6 millions de dollars et Saint-Aubin 43,3 millions de dollars. Le gouvernement du Québec n'est donc pas le seul à investir financièrement dans ce projet. Des travaux antérieurs ont été faits par Petrolia et Corridor qui contribuent à la société en commandite. Saint-Aubin met 43,3 millions de dollars et le gouvernement du Québec 56 millions de dollars. Suite à toute cette série de transactions, chacune des parties obtient la participation suivante dans le nouveau partenariat. Ressources Québec 35 % Petrolia 21,7 % ainsi que 21,7 % pour Saint-Aubin et Corridor Ressources. Au niveau de la gouvernance, tous les partenaires avaient une volonté ferme que la société puisse affronter les étapes à venir parce que les défis seront nombreux, en ayant une gouvernance qui permettait d'avoir une gestion le plus proche possible du secteur privé, malgré la présence de l'État. Ainsi, au niveau du conseil d'administration, 5 membres sont présents, un par partenaire et un membre indépendant qui sera annoncé sous peu, nous l'espérons, se joindront au conseil d'administration. La société en commandite est dotée aussi de comités, dont le comité des opérations, qui est un peu l'équivalent du comité de direction d'une société, qui verra à mener à bien les travaux et les opérations sur l'île d'Anticosti, représenté par les partenaires à part égale. Et vous avez aussi un comité technique, là où les ingénieurs se rencontrent et non pas les financiers, et d'un comité pour l'acceptabilité sociale, pour être présent avec la communauté, et un comité pour la santé, la sécurité et l'environnement, pour adresser les éléments les plus critiques et pour justement baisser cette perception du risque qu'il y a avec ce projet, avec les populations locales. Au niveau du programme, en fait, c'est très simple. Nous espérons débuter dès cet été avec des sondages stratigraphiques. Une série de 15 à 18 sondages stratigraphiques auront lieu pour prendre plus d'échantillons du Macasti, dans le but de permettre la meilleure localisation pour les 3 forages pétroliers avec fracturation qui sont prévus pour l'été prochain. C'est à la fin de cette étape, l'an prochain, que nous connaîtrons le taux de récupération potentiel du Macasti. Pour ce qui est des techniques de forage, j'aimerais ouvrir une parenthèse afin de démystifier un certain nombre d'éléments. À l'écran, vous avez un manuel de fracturation hydraulique qui date de 1972 et il dénombre près de 800 000 puits de pétrole fracturés sur la planète à cette époque. La technique de fracturation hydraulique est employée depuis 1947 et à titre anecdotique, je vous souligne aussi que cette technique est utilisée parfois pour les puits artésiens. Dans un livre paru le 13 mai dernier, Groundswell, The Case for Fracking, on y recense 1,1 million de puits fracturés à ce jour aux États-Unis seulement. Bien sûr, les techniques se sont affinées depuis 1947. Les forages horizontaux et directionnels, combinés à l'augmentation de la capacité de fracturation, ont permis depuis quelques années déjà de récupérer des hydrocarbures dans des gisements jusque-là inaccessibles, mais surtout de réduire l'impact environnemental de surface. Vous avez à l'écran la coupe d'un forage horizontal avec fracturation hydraulique. Essentiellement, vous avez le puits qui commence à la verticale jusqu'à atteindre la cible de la roche-mère pour dévier à l'horizontale. Et au tout début, ce que vous avez, là, comme en entonnoir, ce sont les 3 casings qui sont maintenant
requis selon les Golden Rules de l'Agence internationale de l'énergie pour minimiser les risques sur les nappes phréatiques. Donc, un triple casing qui sont composés de 3 anneaux d'acier et de ciment successifs pour protéger des éventuelles fuites dans la nappe phréatique. Donc, vous commencez votre forage vertical, vous avez ce triple casing pour ensuite dévier à l'horizontale à l'endroit où vous aurez la fracturation hydraulique. Et la fracturation, encore une fois, pour rassurer les gens, elle n'est pas faite hors contrôle, elle est faite en contrôle pour s'assurer qu'elle est présente seulement dans la roche-mère pour ne pas perdre d'hydrocarbures et pour contrôler une éventuelle production. Les avancées technologiques de l'industrie visent aussi à réduire l'impact de surface, comme j'ai mentionné. Les forages horizontaux directionnels nous permettent maintenant de relier jusqu'à 32 forages pour une seule tête de puits. C'est l'exemple que vous avez à l'écran où est-ce que, auparavant, il y a peu de temps quand même, il y a moins d'une dizaine d'années, vous avez besoin de ces 32 puits, alors qu'à partir d'un seul puits à la surface, vous pouvez faire ces 32 drains horizontaux. À l'écran de l'Ohio, toujours, quelques puits modernes en production, au milieu des parcs de stationnement ou autres, et où il semble que la population locale est à l'aise avec le développement de cette industrie. Je reviens quelques instants en arrière pour vous permettre d'apprécier les montants en cause. Pour Anticosti, on parle d'un potentiel de 33,9 milliards de barils à P50, donc la probabilité moyenne qu'il y ait au moins ce volume de pétrole. Nous ne savons pas encore si nous pourrons récupérer le pétrole, et si oui, quel sera le taux d'extraction. Mais pour une formation équivalente en Ohio, le chef géologue de l'État parle d'un taux de récupération moyen de 5 %. Outre que de contribuer à améliorer les finances publiques et à réduire le déficit commercial québécois, le développement d'un secteur pétrolier contribuait aussi à corriger certaines lacunes de l'économie, notamment la création d'emplois, la faiblesse relative de la rémunération et la faiblesse des investissements privés. Et j'y reviendrai. Le développement d'une industrie pétrolière au Québec pourrait permettre aussi de rattraper le retard québécois quant à la moyenne canadienne au chapitre des investissements privés. L'investissement privé au Québec ne représente que 16 % du total canadien, alors que la population québécoise représente plus de 22 % du total canadien. En 2012, au Canada, les investissements privés dans le secteur du pétrole et gaz représentaient à eux seuls plus de 160 milliards de dollars, soit 2 fois la contribution du plus proche secteur, celui des manufacturiers, et 4 fois les investissements totaux des secteurs forêt et mines combinés. À ce chapitre, le pétrole pourrait permettre au Québec de faire meilleure figure. Toujours en Ohio, à titre d'exemple, une seule compagnie, soit Gulfport, possède 150 000 acres d'Utica, qui est une formation équivalente au Macastie, et qui, je répète, désire y investir 400 millions en 2013. À l'écran, vous avez en fait le CAPEX, donc l'argent qui sera investi par 6 des 9 plus grandes entreprises présentes sur le territoire, donc les investissements qu'ils ont faits en 2013 et qu'ils projettent de faire éventuellement. Je pense que je ne l'ai pas aujourd'hui. Ce sont seulement ceux qui ont été faits en 2013. Et vous pouvez voir que pour ces compagnies qui possèdent à eux seuls 1 million d'acres, ils ont investi en 2013 pour 3 milliards de dollars. Pour 1 million d'acres, 3 milliards d'investissements, l'île d'Anticosti, c'est 1,5 million d'acres de surface à être mis en production. Dans le contexte québécois, où la création d'emplois est anémique et où nous importons pour 15 milliards de pétrole annuellement, qui vient en large partie de pays comme l'Algérie, l'Angola ou le Kazakhstan, juridiction qui n'est pas reconnue pour leurs normes environnementales ni pour le respect des populations locales, pouvons-nous vraiment nous permettre de passer à côté de connaître la réponse à quel est le taux de récupération de cette formation sur Anticosti? J'avais dit que j'y reviendrais. Alors, à l'écran, vous avez la création d'emplois, gracieuseté de la Banque nationale. Et depuis les 10 dernières années, 99 % des emplois créés au Québec l'ont été dans le secteur soit de la construction ou du secteur public, le secteur de la construction étant fortement financé également par les investissements gouvernement. Pour ce qui est de la main-d'œuvre en Ohio, pour la même formation géologique, les autorités ont estimé que le nombre d'emplois directs et indirects générés par l'exploitation se situe à 204 000 pour cette année. L'industrie s'attend à verser près de 12 milliards de dollars en salaire là-bas, sur la période de 5 ans qui commence à partir de 2014. Une autre diapositive, qui est cette fois-ci une gracieuseté d'Industrielle Alliance, et qui nous démontre le niveau de vie des provinces qui sont avec des ressources pétrolières ou qui ne sont pas avec des ressources pétrolières. Et on peut voir que les 3 provinces pétrolières, Terre-Neuve, Saskatchewan et Alberta, ont un niveau de vie beaucoup plus important que les provinces n'ayant pas de ressources pétrolières. Au Québec, nous avons la chance, avec le projet Anticosti, de déterminer si nous pouvons passer à une éventuelle production
pour justement permettre de rattraper une partie de cet écart entre le Québec et les trois provinces pétrolières. Juste pour vous donner une idée, dans le Dakota du Nord, actuellement, le taux de chômage est en bas de 3 % et un chauffeur de camion peut y gagner 100 000 $ US par année pour conduire les véhicules qui servent, entre autres, pour la production pétrolière. Il faut aussi comprendre l'intérêt géopolitique de nos voisins du Sud. Ils ont compris qu'il n'est pas sage de dépendre des aléas du marché international. Et c'est pour cette raison qu'ils ont développé et assuré leur propre approvisionnement en hydrocarbures. Tout indique que la première économie mondiale s'achemine vers l'indépendance énergétique, autant en gaz naturel qu'en pétrole, ce qui lui conférera un avantage important sur les principaux blocs de l'économie mondiale. En exploitant ses ressources naturelles, le Québec pourrait compter, en complémentarité avec le projet de renversement de la ligne 9B, sur un approvisionnement domestique en matière d'hydrocarbures. Les États-Unis ont joué un rôle géopolitique mondial important afin d'assurer la sécurité de leur approvisionnement pétrolier. Plusieurs se souviennent, j'en suis sûr, du choc pétrolier des années 70. Je ne l'ai appris qu'à l'école. Mais quand sera-t-il le jour où nos voisins cesseront d'assurer cette présence militaire importante dans le monde pour assurer l'approvisionnement en hydrocarbures de toute la planète? Cette priorité stratégique nationale que les Américains portent au pétrole ne tient pas uniquement au carburant servant pour les transports routiers. Notre mode de vie repose sur l'utilisation des ressources hydrocarbures. Notre dépendance ne tient pas uniquement compte de la voiture, mais elle tient aussi à près de 6 000 produits domestiques à base de pétrole ou de gaz naturel. Nos tomates poussent grâce à de l'engrais dont la fabrication repose sur le gaz naturel. Prenez quelques instants pour réfléchir à la quantité de polymères, de plastiques qui entrent dans nos vies, la plupart de nos complets aujourd'hui, par ailleurs. Les vélos, les téléphones, les téléviseurs et même les voitures électriques sont fabriqués avec des composantes nécessitant du pétrole. Comme vous le pouvez le constater à l'écran, près de 56 % du pétrole raffiné dans le monde sert à des usages autres que le transport. Le Québec n'échappe pas à cette réalité. Le pétrole constitue près de 37 % de notre bilan énergétique. Nous sommes tout aussi dépendants du pétrole que les autres juridictions occidentales. Je le répète, nous importons tous nos besoins en matière de pétrole et de gaz. J'entends souvent parler les gens des vertus de l'achat local, mais à mon avis, l'achat local, c'est aussi bon pour les hydrocarbures. D'autre part, en matière de bilan énergétique, le Québec peut compter sur d'importantes ressources en hydroélectricité. Notre situation particulière à cet égard nous fait souvent perdre de vue que 68 % de l'électricité consommée dans le monde est produite à partir du charbon, du gaz naturel ou du pétrole. Que pour beaucoup de pays, en fait, dans le monde, l'électricité n'est pas la source principale d'énergie. Nous invitons donc tous les Québécois à se renseigner, à se conscientiser avec les enjeux énergétiques. Le Québec n'est pas une juridiction isolée et nous vivons dans un marché de plus en plus global en matière d'énergie. Nous croyons fermement que la clé de notre succès repose sur la connaissance technique et que nous pourrons transmettre aux citoyens québécois toute l'information nécessaire pour leur permettre d'apprivoiser cette industrie et de profiter pleinement des retombées positives. Cette prise de connaissance débute cet été sur l'île d'Anticosti avec le début des travaux. Nous aurons le devoir d'expliquer, de rassurer, de communiquer efficacement nos résultats et nos enjeux afin que l'ensemble de la société québécoise se sente concernée par le développement de notre industrie des hydrocarbures au Québec. Merci beaucoup.